Bonjour, je suis Rémi Joinville, co-responsable de l'Office de Rennes. Je travaille à l'Office depuis septembre 2021, depuis 2 ans. L'URFIST, c'est l'unité régionale de formation scientifique et technique. L'URFIST de Rennes dessert 2 régions, la Bretagne et le Pays de la Loire. Nous sommes une équipe de 3 personnes titulaires plus 2 personnes contractuelles. Alors, la mission de l'URFIST sont de développer la maîtrise de l'information scientifique et technique pour tous les personnels de l'enseignement supérieur intéressés par ces questions, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les doctorants, les personnels des bibliothèques et aussi tous les personnels d'appui à la recherche. Nous proposons une offre de formation, mais aussi nous appuyons des projets de recherche liés à différentes thématiques comme la science ouverte. La science ouverte, c'est donc l'ouverture des connaissances, de la science, à tous les publics intéressés par ces questions, que ce soit au niveau des publications, au niveau des données. La résidence présente un bilan très, très, très satisfaisant. Ça a permis à l'URFIST d'être identifié aussi comme un élément beaucoup plus visible de promotion des projets Wikimedia. Cette résidence a permis d'aborder différentes thématiques. Donc je pense par exemple à Wikidata, OpenRefine, qui étaient des formations qui n'étaient pas proposées avant la résidence. Mais ça a aussi permis de renforcer des partenariats avec tous les partenaires, la Maison des sciences de l'homme de Bretagne, avec les différents SCD, de toucher des publics nouveaux, des publics qui n'étaient pas forcément ciblés par l'URFIST, de renforcer un réseau de contributeurs à Wikipédia, donc à travers des actions comme One Lim, One Ref, qui permettent d'associer différents contributeurs à Wikipédia. Un an de résidence, c'est très court, mais on a espoir aussi que tous ces projets, toutes ces actions qui ont été initiées puissent être poursuivies, donc à travers le réseau des bénévoles, à travers tous les contributeurs qui ont été touchés par la résidence, donc je pense pour SCD qui vont prendre en main toutes ces actions, et on espère continuer à sensibiliser au projet Wikimedia.